Coucou. Voilà, donc c'est un moment, je dirais, dans mon atelier. Un travail qui a été réalisé pendant cet été, étant donné que cet atelier est actuellement un petit peu comme ambulant. C'est moi qui est ambulante, mais l'atelier devient un peu ambulant parce que je ne suis pas là tout le temps. Donc tout ce travail ici, ça a été réalisé pendant l'été. Ça, c'est un travail qui est toujours en cours. Et comme on a vu tout à l'heure l'exposition à Saint-Chinian, c'était un projet au processus de travail assez long. Et du coup, je suis aussi en train de me réquestionner un petit peu sur la manière différente de présenter des préoccupations que j'ai, notamment par rapport à l'espace à l'intérieur d'un paysage. Donc, quand il y a de l'eau, c'est vrai que je rentre dans une réalité double parce qu'il y a cette reflet qui renvoie l'image de l'environnement. Et tandis que dans ce travail-là, en fait, je pense que je suis arrivée peut-être le mieux réaliser ce que je suis en train de chercher. Donner une dimension, une double réalité, j'appellerais ça peut-être double réalité, sur ce que je représente. Il y a un paysage, il y a un deuxième paysage qui peut être normalement invisible, mais qui paraît sur cette première paysage où déjà il y a une préoccupation de représenter la profondeur. Je pense en même temps que c'est quelque chose qui peut correspondre à ma manière ou ma propre personne, étant donné que j'ai quelqu'un qui a comme une double identité, pourvu que je suis d'origine d'ailleurs et que je me suis installée ici, tout en adoptant cette manière d'être, la culture du Sud. C'est quand même une problématique qui me préoccupe d'une façon plus en plus claire parce que. Donc, ça, c'est un travail qui est d'une certaine manière. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une peinture ou un dessin. J'ai entrepris un travail de dessin il y a quelques années qui me prend de plus en plus. J'aime beaucoup le dessin. Voilà. C'est quelque chose que j'avais laissé tomber pendant des dizaines d'années et je l'ai redécouvert assez récemment. Et dans ce travail, j'ai utilisé les moyens de dessin avec la peinture. Et comme j'ai encore toujours cet questionnement qui me préoccupe par rapport à la représentation de profondeur et aussi par rapport à la réalité, j'ai essayé de créer quelque chose qui paraît reconnaissable, mais si on commence à le regarder un petit peu plus longuement, on découvre qu'on ne sait pas réellement qu'est-ce qui fait partie d'une réalité, je dirais, ou d'un reflet de cette réalité-là.
travail de dessin qui demande peut-être un peu moins de paroles que le reste, étant donné que c'est essentiellement un travail de sensation et de, ou même, je dirais, presque méditative, hein, intuitive. Hein. C'est un travail où, effectivement, j'utilise ma banque d'images, c'est-à-dire que je vais dans les lieux, je photographie et je filme, et à partir de ces documents, je travaille, tout en respectant au départ des éléments que je vois dans le paysage ou dans l'eau, mais petit à petit, je laisse le travail se faire. Donc là, c'est le crayon tout bête sur le bois. Et ici, c'est le crayon de couleur. Donc, c'est les prix d'une grande série, en fait, les deux. Ici, j'ai que ça avec moi. Donc, ça, c'est un travail avec lequel je me suis remise à travailler le dessin. J'ai choisi les sujets qui, toujours, sont plutôt les vues directes sur l'eau. Et j'avais des images donc photographiques dont je me servais en tant que modèle. Ce sont donc les lieux que je connais où je suis allée. Et ce travail, je sais pas, je trouve que il y a un côté extrêmement agréable d'entreprendre un travail avec un petit crayon et arriver à faire quelque chose de grand. Laisser monter ou lever l'image petit à petit. C'est-à-dire qu'avec le crayon, on commence à faire très doucement et puis petit à petit, on monte une image. Il y a comme une apparition. Et c'est extrêmement reposant aussi de travailler avec un modèle, je trouve. Donc ce travail a été construit ensemble avec enfin, toute une série, une dizaine d'images de même dimension. Et je l'avais présenté dans un lieu, dans un château d'eau, avec un enregistrement sur l'eau. Donc ça faisait comme une installation dans un espace rond où le son de ces divers lieux paraissait et qui circulait d'une façon assez étonnante, étant donné que le cercle renvoie le son d'une façon très particulière. Donc c'était intéressant de les mettre en lien ensemble.